Le dernier hommage du Liban à Wissam al-Assad menace de se muer en rassemblement contre la Syrie. Des milliers de personnes assistent aux funérailles à Beyrouth, parmi elles la famille du défunt qui s'est réfugié en France, mais a fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à celui qui fut la bête noire de Damas. Parti du quartier général des forces de sécurité intérieure, dont Hassan était le chef, le cortège passe devant le lieu où l'attentat a eu lieu, avant d'arriver à la place des martyrs où l'attend notamment le président libanais. C'est ici, à la mosquée Al-Amin, dans le mausolée où repose l'ex-premier ministre Rafik Hariri, que le général doit être inhumé. Sur la place, les personnes rassemblées grondent et accusent la Syrie d'être à l'origine de l'attentat qui a coûté la vie à 8 personnes.